Bertin Quadio Conan, bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé récemment des voyages prochainement en Europe et à Accra pour rencontrer les exilés politiques et en particulier Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces voyages prévus Nous savons tous que Laurent Gbagbo est un acteur majeur de la crise. Sa vision, on doit en tenir compte. Ses observations, on doit les intégrer. Ses préoccupations doivent être intégrées. De toute évidence, je lui dois une visite, ne serait-ce que de courtoisie, pour que nous en discutions. C'est pourquoi j'ai projeté donc ce voyage d'abord à Accra, où se trouvent de nombreux, de nombreux Ivoiriens qui sont encore en exil et qui manifestent depuis quelque temps le désir de retourner. S'ils doivent revenir dans leur pays, ce que nous souhaitons, c'est que ce retour soit évidemment encadré. Qui c'est qui est l'indiqué pour encadrer ce retour C'est le ministre de la Réconciliation. C'est pourquoi la semaine prochaine, je vais à Accra pour quelques jours. Je vais rencontrer l'ensemble des Ivoiriens qui sont là-bas, dans les camps de réfugiés, y compris les leaders d'opinion qui sont là-bas également. Après, nous mettrons le cap sur l'Europe pour rencontrer... Le président Laurent Gbagbo et naturellement Charles Blégoudet. Est-ce que vous avez un accord de principe avec Laurent Gbagbo sur une rencontre La question est en cours, justement. Il est prévu aussi de rencontrer Charles Blégoudet, qui souhaite aussi rentrer en Côte d'Ivoire Bien entendu. Vous savez très bien qu'entre Blégoudet et moi, c'est fluide. Nous nous parlons tous les jours. Donc avec Blégoudet, je n'ai pas besoin de négocier un accord préalable pour le voir. Il est disposé à me rencontrer à tout moment. Le président Laurent Gbagbo sort de prison. C'est un ancien président de la République qui a un agenda. On a besoin donc de discuter de ces questions avec lui pour avoir sa disponibilité, son accord pour le rencontrer. Et je vous dis que la question est en cours. Vous avez été reçu au mois de janvier par Henri Konan à la demande de Macky Sall, a bien précisé le, le président du PDCI. Est-ce que ça veut dire que selon vous, les, les leaders de l'opposition ont encore du mal à vous pardonner cette position de la présidentielle de participer au scrutin quand eux avaient décidé de le boycotter C'est humain l'attitude qu'ils adoptent. Surtout quand on considère que je suis le fils du président Bédier. Je comprends que son souhait aurait été que je le suive dans sa démarche de boycott. Vous voyez, moi je vais être cohérent dans ma vie, dans ce que j'ai choisi de faire, la politique. Je vais être cohérent. Je ne m'engagerai jamais par culture politique dans le boycott, en plus actif. Ça suppose qu'on met des vies des citoyens en danger. Je n'ai pas suivi cette voie. Oufoué nous indiquait toujours qu'il faut toujours recourir au dialogue en début de crise. Mais ce qu'après après les morts, Henri Conan Bédier à la Sanguata ne se sont pas au Golf Hotel. Il faut laisser derrière soi le passé pour construire l'avenir. Bédier reste le président du PDCIRDA. Lui aussi un acteur, il est au centre des débats, de la discussion. J'ai essayé de le voir pour désamorcer, pour arrondir les angles entre nous. Et les angles sont arrondis Nous sommes en début. Alassane Ouattara a déclaré il y a quelques jours devant les candidats RHDP, il n'y aura pas de réconciliation sans justice. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'amnistie Et finalement, est-ce que ça ne vous complique pas un peu la tâche à vous, ministre de la Réconciliation Nous sommes tous d'accord sur une chose, la Côte d'Ivoire est un état de droit. Le président de la République n'a fait que rappeler l'évidence. Oui, la réconciliation ne se fera pas au mépris du droit. Est-ce qu'il faut craindre de nouveaux troubles autour des législatives du 6 mars. Si je tiens au dialogue politique à ses conclusions et surtout à l'ambiance qui a prévalu autour de ce dialogue, j'ai des raisons de penser que tout va bien se passer. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de crainte quoi que ce soit, sauf que bon, c'est une élection quand même sur l'ensemble du territoire. Évidemment, nous multiplions les contacts avec les populations, les acteurs pour sensibiliser, pour éduquer, pour amener les Ivoiriens à comprendre qu'en définitive, la violence depuis une trentaine d'années ne fait pas de bien à la Côte d'Ivoire. Je crois que les Ivoiriens nous le disent, nous le font savoir au quotidien. Ils commencent à être un peu fatigués de toutes ces choses et j'ai bon espoir qu'on va s'en sortir. La réconciliation, c'est de dire à nouveau aux Ivoiriens, on a fait la guerre, il y a eu des morts, il y a eu des rancœurs, c'est vrai, mais si nous voulons regarder l'avenir avec un peu plus de sérénité, pour laisser à nos enfants qui viennent un peu plus qu'on a obtenu de fois de Boigny, nous sommes condamnés à parler le même langage, à bâtir l'amour, à bâtir la stabilité et refaire la Côte d'Ivoire, ce grand pays stable. Ce havre de bonheur et de prospérité partagée. Le dialogue politique qui a eu lieu au mois de décembre et toutes les mesures de décrispation politique qui ont précédé et suivi sont pilotées par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Quel est votre rôle à vous, ministre de la Réconciliation, dans cet attelage, dans ce processus Je suis à ses côtés. Il est le Premier ministre. Et puis moi, euh, j'ai été nommé après que le président Ouattara ait déjà déclenché la procédure. Elle était en cours. Et le Premier ministre la conduisait si bien déjà. Et il m'associe déjà. J'ai participé à toutes les séances, le dialogue politique, la rencontre entre la direction du FPI et lui-même. Et il m'a invité. C'est ensemble que nous travaillons. Monsieur le ministre Kakabé, merci.